Bonsoir madame, bonsoir monsieur, merci d'être dans le salon de la femme ce soir pour votre émission. Alors ce soir, on parle d'un sujet qui vous touche, qui nous touche, la dot. La dot, c'est un élément déterminant, vous le savez, dans la pratique, dans le mariage traditionnel en Afrique. Si sa pratique de nos jours tente quand même à connaître certains travers, il urge de poser le débat, poser un débat quant à sa pertinence et à sa valeur actuelle encore. Alors si le traditionnel en parle comme d'un pacte sacré même entre quatre familles et que dans le même temps le législateur ne l'exige plus dans les formalités pour célébrer le mariage civil, l'on ne sait peut-être plus où se placer. Et quant à son coût, on en parle ? Ce soir, on en discute donc avec M. Kossi Aziabiji. Il est sociologue, doctorant à l'Université de Lomé. Merci de partager ce plateau avec nous ce soir. Vos réflexions seront nous édifier quant à la valeur de la dot, ce que ça représente dans la société, dans les relations humaines. Merci de rester avec nous pour ce débat. Nous avons également M. Kossivi Mawena Ayivi. Il est rapporteur du Conseil de la chefferie traditionnelle du Togo, de l'AV. Vous portez la voix du traditionnel dans l'émission ce soir. Dans nos traditions, qu'est-ce que la dot ? Est-ce la même chose que les fiançailles ? Vous nous expliquerez tout cela. Hein ? Merci d'être avec nous. Alors, vous aurez sans doute suivi, si vous êtes sur les réseaux sociaux et sur TikTok, la vidéo de cette dame cette semaine. Elle a donné des conseils à ses jeunes sœurs, à ses filles, quant donc à l'organisation des fiançailles et des dots. Madame Bernadette Mensan, merci d'accepter d'échanger avec nous ce soir. Vous êtes mariée, mère de 3 enfants, et la question de la dot vous interpelle à plus d'un titre. Et dot benya el vena minto, elle ira en vernaculaire et nous pourrions traduire au fur et à mesure. Qu'est-ce que dot benya el vena minto, madame Bernadette? Amour exagéré, les dot benya me soubon akba. Amour exagéré. On me l'a nous soubon alors. On me l'a nous soubon akba. Allez, on va en parler. Elle trouve donc qu'il y a de l'exagération dans les effets, dans les biens exigés pour célébrer la dot. Vous nous expliquerez votre position au cours de l'émission. D'accord. Et nous avons également Madame Michèle Aguet. Elle est secrétaire générale du GF2D et qui porte la voix des mouvements féministes, des activistes féministes dans l'émission ce soir. Et vous, votre structure, avec d'autres, mène une campagne ces derniers jours, une campagne sur la féminité transformative. Commencez par nous dire un peu ce que c'est que cette féminité transformative. Merci. Merci d'organiser cette émission sur cette thématique qui touche beaucoup de Togolais. La féminité transformative, la campagne est partie d'un constat. Le constat, c'est qu'il y a des attitudes que les hommes adoptent et des attitudes que les femmes adoptent qui ne sont pas favorables à l'égalité de genre. Donc, dans un premier temps, les organisations ont fait une campagne sur la masculinité positive, c'est-à-dire inciter les hommes, les garçons à adopter des attitudes positives qui respectent les droits des femmes. Et dans un deuxième temps, il y a cette campagne sur la féminité transformatrice qui appelle les femmes à pouvoir adopter des attitudes positives, des attitudes qui ne sont pas favorables à la perpétuation des inégalités que nous constatons dans notre société. C'est cela, du genre insensibiliser ou alors demander à la femme quand elle invite son partenaire ou un homme au restaurant de partager l'addition. C'est fait ailleurs, hein. Ce n'est pas, c'est peut-être sous nos yeux que ça peut paraître pour certains choquant, mais voilà. Et bien d'autres thématiques bien encore. D'autres thématiques. Alors ce soir, c'est précisément l'aspect dot que nous abordons dans cette émission. Merci de partager vos réflexions avec nous. Merci également à vous de nous accueillir chez vous. Nous en avons jusqu'à 22h20. Alors tout de suite, je vais demander aux représentants de la chefferie traditionnelle de nous dire ce que c'est que la dot et s'il y a une différence entre la dot et les fiançailles. Monsieur Ayivi, c'est vous qui parlerez le temps que je m'installerai, moi, dans mon canapé. D'accord, merci. Alors, bien. C'est quoi la dot dont on parle? On parle de dot. C'est quoi la dot? La dot, je,
je ne donnerai pas une définition classique de la dot, mais je parlerai plutôt de la dot, ce que c'est dans notre tradition. La dot, on peut le dire entre guillemets, c'est un sacrement. C'est un sacrement qui est célébré entre quatre familles. Parce que c'est un sacrement même. C'est un sacrement qui est célébré entre quatre familles. C'est-à-dire les deux familles du marié et les deux familles de la mariée. Et cela se fait en présence des membres des quatre familles. Et voilà un peu ce que c'est que la dot. Maintenant, comment ça se passe? Avant qu'il n'y ait la dot, il faut d'abord ce que nous appelons le premier pas, le pas de reconnaissance. J'ai trouvé une fille et qui me plaît. Bon, ça, c'est notre temps d'ailleurs. Avant, c'est pas le jeu, c'est pas aux jeunes d'aller chercher son épouse. On lui cherche. Ce sont ses parents. Mmh. Ce sont ses parents qui s'en chargent. Mais aujourd'hui, le garçon peut tomber sur sa charmante et revenir en parler en famille. Et la famille mène les démarches. Et cette démarche menée par la famille, c'est ce que nous appelons le premier pas, vous allez d'abord découvrir où habite la jeune dame, elle est de quelle famille, quelle est la moralité de la famille, et ainsi de suite. Et cela ne se fait pas le même jour. Il y a ce qu'on appelle les enquêtes préalables. Donc vous allez une première fois, une deuxième fois, une troisième fois peut-être, vous allez demander à rencontrer les parents de la fille. Et quand vous allez à la rencontre, vous allez vous présenter, vous dites non, que vous avez trouvé, le terme c'est que nous avons trouvé une fleur. Nous avons trouvé une fleur dans votre maison et nous voulons l'entretenir et l'accueillir. Accueillir plus tard. Plus tard. Donc, tel dit, les parents, d'abord, vous diront, ben, ils ne vous connaissent pas. Eux aussi, ils vont mener leur enquête savoir de quelle famille vous venez. Vous venez. Est-ce qu'il n'y a pas des maladies héréditaires, par exemple? Il y a plein de facteurs est-ce qui sont mis en jeu. Est-ce qu'il n'y a pas de fous chez vous? Il n'y a pas de fous. Il n'y a pas de voleurs. Il n'y a pas de paresseux. Il n'y a pas ci, il n'y a pas ci. Et s'il n'y avait pas un passé entre votre famille et les leurs? Donc, il y a tout ça qui est toujours vérifié bien avant. C'est ce qu'on les enquêtes préalables qui sont faites. Et après cela, vous pouvez venir faire votre premier pas. Et quand vous faites votre premier pas, vous êtes à l'œil. Et quand vous êtes à l'œil, ça voudra dire qu'on verra le comportement que vous affichez. Après le premier pas. Oui, après le premier pas. Faut le premier pas, mais la fille reste à la maison. Là, non, ben rien ne se passe jusqu'à ce jour. Le premier pas, c'est juste pour venir vous afficher, vous dire aux familles, voilà. Quelqu'un m'intéresse chez vous. Quelqu'un m'intéresse chez vous. Alors, est-ce que pour une même fille, on peut faire plusieurs personnes peuvent faire le premier pas, puis si on ne sait pas comment ça va aboutir, le premier pas de celui-là. Est-ce que quelqu'un d'autre dans le même moment peut faire le premier pas? Non, il n'y en a pas. Parce que c'est comme une course qui est ouverte. Donc non, la course n'est pas encore ouverte. Non, la course elle vient d'être fermée. Pourquoi d'ailleurs, quand vous venez la première fois, on ne vous dit rien. On peut même refuser de vous accueillir. Aujourd'hui, nous avons les portails sur chaque maison. Ça voudra dire qu'on peut vous ouvrir et vous rouvrir en même temps. Non, on ne veut pas. Et vous revenez autant de fois. Bon, aujourd'hui, nous avons pratiquement tout modernisé. Vous venez, on vous écoute. Et il est vrai que l'enquête continue. Mais l'enquête ne dure plus comme avant, puisque c'est à la fille qui dit d'abord « Oui, venez voir mes parents ». Donc, quand vous venez, il n'y a plus d'autres possibilités autres que de vous accepter, entre guillemets. Donc, quand les premiers pas sont faits, ça veut dire que vous êtes en état d'observation. Après cet état d'observation, on passe à l'étape ultime où on peut demander, par exemple, à faire les fiançailles. Les fiançailles, c'est quoi? C'est que vous matérialisez votre passage pour dire que cette fille, je la réserve. Je la consigne. À l'époque de nos aïeux, ça veut dire que cette étape de consignation ne doit pas durer plus de 3 périodes de récolte. Ça voudra dire que si ça ne réussit pas cette période de récolte, l'autre saison, il faut que vous fassiez tout pour avoir les moyens de venir doter votre future femme. Et si cela ne réussit pas, la troisième
récolte, ça voudra dire que vous, n'en êtes, vous ne serez pas utile. Alors, c'est estimé sur combien de temps, les trois périodes de récolte? Non, la période chez nous, c'est pratiquement six mois. Six mois, ça voudra dire qu'à la petite saison, dans la grande saison, vous n'avez pas assez de récolte. À la petite saison, ça n'a pas marché. On attend la grande saison prochaine. Si ça ne marche pas, c'est que ça ne va pas. C'est que ce n'est pas vous. Oui, un peu plus loin, d'ailleurs, quand vous venez, et comment ça se passe? Quelqu'un, un membre de la famille fait semblant de vous tendre la main, puisque c'était la période de la culture. Mm-hmm. On vous tend la main, vous serrez la main pour voir si vous êtes un paresseux. Vous avez la paume de la main qui est tendre. Ah non, si le parent vous tend la main bien rugueuse, oui, ça voudra dire que tu es quelqu'un, tu peux nourrir, tu peux constituer un foyer. Mais après cela, on vérifie les autres étapes de maturité. Mm-hmm. Est-ce que vous avez une case? Est-ce que vous avez un champ? Est-ce que... Donc, il y a tout un tas de questions. Ce qui veut dire que quand, après le premier pas, c'est tout un travail qui se fait au niveau de la famille de la fille pour préparer la procédure, pour voir où est-ce que notre fille s'en va. Évidemment. Et donc, il y a du temps entre le... Le premier pas, comme vous dites, un an et demi, 18 mois, comme vous dites. Maintenant, c'est cette période qui s'appelle fiançailles, c'est ça? Ou comment? Non, pas forcément cette période qui s'appelle fiançailles. La période des fiançailles, c'est quoi? Quand vous venez à la première rencontre, on vous accepte, vous pouvez faire votre fiançailles à n'importe quel moment. C'est quoi? Maintenant, les fiançailles, quand vous faites les fiançailles doivent être suivies du mariage. Qu'est-ce que c'est que les fiançailles? Je voudrais que vous nous précisiez, parce que dans la préparation de l'émission, j'ai eu tel et tel avis qui nuance un peu fiançailles et dot. C'est quoi la nuance entre les fiançailles et la dot? Bon, les dots, quand on parle de la dot, c'est tout ce que vous réunissez pour matérialiser. C'est ce que les gens appellent, vous payez pour... Dans la liste, là, l'épargne, les boissons, igname, chèvre, voiture, avion, navette spatiale, tout ça. Oui, c'est ça qui constitue la dot. Maintenant, cette constitution de la dot est composée d'un certain nombre d'éléments. Et chaque élément de la dot a une valeur, a une signification dans chaque tradition. Voilà un peu. Okay. J'ai parlé tout à l'heure d'un sacrement. Que c'est un sacrement, c'est quoi? C'est quatre familles qui se réunissent et ce sont les quatre familles qui se marient en réalité. Parce que quand vous mariez, il y aura une procréation. Cette procréation appartiendra aux deux familles. Et maintenant, ça appartient aux familles physiquement et ça appartient également, à la famille sur le plan des entités. Spirituelles. Parce que quand on vient s'asseoir et puis on dit oui, je le veux, je veux, c'est lui pour la boisson, prends l'eau, il y a même spirituel qui rentre dedans. Non, tout est pratiquement spirituel. L'homme noir est plus spirituel. Tout ce que l'homme noir fait est à part entière spirituel. Ouais, parce qu'on s'en remet toujours à un créateur. Oui. Donc voilà un peu. C'est pourquoi d'ailleurs. Il y a souvent les mêmes qui prient, il y a peut-être le pasteur qui commence par prier, ou bien les libations qui sont faites, ces fonctions, oui. Il y a toujours le spirituel qui est présent. Oui, voilà un peu. Donc, je disais tout à l'heure qu'une fois que vous arrivez avec tout ce que vous avez, il y a d'abord la litanie des ancêtres, que nous appelons la litanie des saints, et ce n'est pas n'importe qui est appelé. C'est ceux qui ont laissé vraiment un nom. Et ça, d'ailleurs, c'est une tante qui conduit la délégation. Pourquoi la tante? Parce que c'est elle qui a déjà vécu ce qu'on appelle le mariage, ce qu'on appelle le foyer, qui a déjà constitué un foyer. Et c'est ce que c'est qu'un foyer, ce qui doit rendre rigide un foyer. Donc, la constitution de la famille est faite par la tante. La tante. Et d'ailleurs, dans la composition des éléments, il y a des éléments de femmes, comme les slips, le pagne et tout. Perles. La valeur de toutes ces choses doit être vérifiée par quelqu'une ou quelqu'un qui s'y connaît. Je ne sais pas s'il faut appeler le nom, il y a un slip qu'on met dedans. Mama Djen, qui en fait, qu'on appelle dans la tradition et tout, c'est un fusil d'ailleurs. Et ça a une valeur et une connotation beaucoup plus importante dans ce qu'on fait en matière de dot. Voilà. Cela. Alors, monsieur le sociologue, monsieur Aziabidji, à entendre les explications de monsieur Aïvi,
on croit, on a vite fait de prendre la dot, là, si on saille finalement, pour le mariage. Puisqu'il dit mariage, c'est mariage, c'est mariage, c'est mariage. C'est, sociologiquement, c'est ça? Ok, merci beaucoup pour la parole. En fait, j'aimerais tout d'abord éclaircir quelques points. Et nous parlons de la dot. Et la dot, en fait, c'est un terme occidental. L'Africain ne connaît pas ce que c'est que la dot. Et le terme-là est venu du Nord. Avant, comment ça se passait? C'était, en fait, un échange de femmes. Avant. De familles. De femmes. C'est-à-dire, deux familles se présentent. Parce qu'avant, il n'y avait pas autant de femmes qu'aujourd'hui. La population. Donc, on souffrait de pouvoir trouver les femmes. Donc, si je veux une femme, la famille aussi va donner une femme à l'autre famille. Dans la famille, là, si ça n'a pas de femme, c'est mort pour eux, quoi. Ah oui, c'est ça. Donc, c'est comme ça se passait avant. Donc, j'expliquais, en fait, avant, l'origine même de la dot, c'est ça. Donc, c'est les échanges de femmes. Maintenant, en fait, pourquoi on fait ça? On fait ça parce qu'on veut tout juste, justement, agrandir la famille. Maintenant, cette pratique a trouvé des limites parce qu'après tout, on a constaté qu'il y a certaines femmes arrivées dans la famille d'Akwaï n'arrivent plus à procréer ou bien n'arrivent pas à procréer, alors que l'autre, de l'autre côté, cette femme-là, continue, elle enrichit bien l'autre famille. Ils vont se dire que c'est inéquitable. Oui, c'est comme ça. Maintenant, ils ont... Bon, c'est comme de la putre chérie, quoi. Donc, c'est là ils ont dit que non. Et maintenant, on va commencer par modifier, relativiser un peu les trucs-là. Et donc, on a vu, ils ont remplacé cette pratique par les biens matériels. Donc, ce n'est plus la femme qui échange la femme, mais c'est un bien. C'est un bien matériel. C'est là que ça a commencé. C'est commencé, n'est-ce pas, par verser les biens matériels, c'est-à-dire par déposer la dot. OK, maintenant, je vais parler de la dot africaine. Parce que lorsqu'on prend dot... Si je veux emprunter le mot dot même des pays européens, parce qu'avant c'était africain, et chacun appelle ça dans son ethnie. Dans son ethnie, c'était pas dot parce qu'on ne connaît pas le français. Ok, chacun en éveil, comment on dit ça? Parce que bon, j'ai demandé aux. Ametabiabia. Ametabiora. Ametabiora. Il y a. Ça se limite à la France. Oui. Ametabiabia. Ok. Il y a aussi Rontropura. Parce que au début premier même pas, là. Mais ça, c'est pour premier pas. Oui, premier pas. Donc, OK. Maintenant, si je veux emprunter le mot dot chez les Européens, là, je veux parler maintenant de la dot africaine. Comment ça se passe? En fait, la dot africaine. Qui s'est modernisée, là, qu'on vit là, oui. Oui, la définition que moi je peux donner, c'est en fait un ensemble d'objets. De cadeaux, comme l'a dit notre représentant de chef traditionnel, c'est un ensemble d'objets de cadeaux, soit en nature, en espèces, ou bien en prestations de services, offerts par la famille du fiancé, en gage de peut-être de gratitude, ou bien de dommage vis-à-vis de quoi? De la famille, de la belle famille, pour pouvoir légitimer, n'est-ce pas? Cette cérémonie de mariage. Donc, quand vous parlez de prestations de services, ils pouvaient élaborer le champ, c'est effectivement, ça? Effectivement, ça se passait avant. Ça se passait avant. Dans certaines cultures, il y en a comme ça. Ils labourent le champ, et puis... Mais pourquoi c'est arrêté? Parce qu'on parle maintenant de l'essence de la dot. Avant, là, la dot a beaucoup de façades. Et c'est pas... Ça varie de chaque culture. Ça varie d'une culture à une autre, en fait. C'est pas la même chose. Oui, c'est pas la même chose. Donc, le garçon se plie à la culture de la fille. À la culture de la fille. Il peut labourer le champ. Mais ça aussi, ça a trouvé ses limites parce que avant, c'est pas maintenant, on ne parle plus de rembourser. Maintenant, là, je ne crois pas qu'on rembourse la dot. Je ne crois plus. Maintenant, avant, on remboursait. Lorsque peut-être, dans le mariage, la femme, je sais pas, commence par... C'est-à-dire que si le mariage doit finir du fait de la faute de la femme, c'est ça. Elle va rembourser comment? Elle va labourer même. C'est pour ça. au niveau de... Avant, là, si c'est prestation de service, on ne peut pas rembourser. On ne peut plus rembourser. C'est pour ça, cette pratique-là, aussi, a trouvé ses limites. Parce que les autres voulaient... C'est ça. Maintenant, la dot africaine, c'est à peu près ça. Mais il y a un auteur qui a dit que la dot africaine... En fait, c'est une sorte d'alliance entre deux ou bien quatre familles, comme on le dit. Et c'est la légitimation même aux yeux de la communauté. S'il n'y a pas dot, ce n'est pas légitime le mariage.
au niveau des familles qui vous portent déjà, au niveau de la communauté dans laquelle vous êtes. S'il n'y a pas d'hôte, c'est-à-dire, si on parle de la légitimation, en fait, c'est la légitimité de la légitimation, c'est en quelque sorte de reconnaître d'une manière légale que ces deux personnes sont ensemble. Bon, mais en manière légale, sur la base de la loi de la communauté dans laquelle la vous communauté, êtes. De la communauté, aux yeux de la communauté. Donc, c'est ça la dot africaine. C'est ça. Contrairement à la dot européenne, en Europe, c'est la femme qui apporte les cadeaux. Ce n'est pas aux soins. On est en Afrique, on parle d'Afrique. Merci de continuer pas à parler d'Afrique. Ok, merci beaucoup. Donc, en fait, il y a une petite nuance, comme vous l'avez soulevé, il y a une petite nuance entre dot la et dot fiançailles. Et les trucs, là, les fiançailles. La dot, comme l'a dit, c'est les cadeaux, c'est les objets amenés, apportés. Et les fiançailles, en fait, c'est toute une cérémonie, toute une rite. Ça incombe les cérémonies, les rites. Le mariage coutumier, le mariage traditionnel. Lorsqu'on parle du mariage traditionnel même là, il y a des rites. Et comme on l'avait dit, ces rites-là maintenant, on a besoin de quelques éléments de la dot pour effectuer les rites. Les schnapps et les sorabiers et compagnie. Ouais. Et même dans certaines cultures, on y trouve de cola. De curry. Tout ça là, toutes ces choses-là ont une signification. Cola, ça symbolise l'harmonie, la stabilité. Mais aujourd'hui, on n'en trouve plus. Bon, la cola qui est partagée à tous les membres de la famille, quel que soit là où ils sont. Au même moment, tout science le monde tenant, va, tout le monde tout mange. Tout le monde va manger de la cola. C'est comme si tu vas chez quelqu'un à la maison, on te sert de l'eau pour dire que ici c'est la paix. Si tu ne veux pas boire cette eau-là... C'est que tu es venu... C'est ça. Et puis, il y a certaines personnes qui ne reçoivent pas. Ils disent, tu dois boire l'eau avant que quoi, je ne te reçoive. On est en Afrique. Donc, au niveau de la dot, cola ou bien des choses, il y a certaines choses, n'est-ce pas, préalables qui sont faites. Mais aujourd'hui, je ne pense pas que ces choses-là sont encore respectées. Oui, parce que non, dans certaines communautés, quand même, ça tient. Hein, oui, effectivement, les gens font ça tient. Et des fois, même pour ceux qui, pour des ayants droit de la famille, qui doivent, par exemple, prendre de la cola, mais qui ne sont pas là, ils ont trouvé d'autres façons de le leur faire. Une tante, un oncle qui est quoi, à Diakpanga, alors qu'on doit fiancer son enfant, ou quelqu'un de la famille à Lomé. On trouve toujours moyen, ne serait-ce que des fois, j'ai vu quelqu'un faire la fois dernière, il se distribuait du crédit, des crédits de communication, 200 francs de crédit à plein de personnes, à tous ceux qui ne pouvaient pas être là. Tous, ils ont pris des crédits de communication, 200 francs, pour symboliser que toi aussi, tu as pris quelque chose, tu as mangé la cola. Donc, il a dit, il faut envoyer la cola au vieux du Nord. J'ai dit, comment la cola va arriver? Et puis, on envoyait crédit 200 francs. Il dit, c'est la cola. Ça, il dit, oui, c'est la cola. Bon, voilà. C'est pour dire toujours qu'il y a une façon, on perpétue la tradition d'une manière ou d'une autre. C'est symbolique. Et il y a aussi une chose que je vais souligner, c'est au niveau, n'est-ce pas, de la dot toujours. Avant, ce n'était pas, comme l'avait dit notre collègue, ce n'était pas un consentement entre les deux futur mari. Si tu veux, par exemple, je veux, n'est-ce pas, une femme, je suis tombée amoureuse de quelqu'un, je vais chez mon papa. C'est le père de la famille qui, n'est-ce pas, emboîte le pas pour aller chez l'autre père. Mais aujourd'hui, il n'y a plus ça. Parce que nous voulons parler un peu de l'origine jusqu'au jour d'aujourd'hui. Il y a cet père, il faut le trouver pour les envoyer. Donc, ça dit, tu vas chez c'est ton papa. Le garçon parle à son papa. Oui. Que j'ai vu une fille là. Oui, même avant là. Des fois même, ce n'est pas le garçon qui tombe amoureux, mais c'est le papa même qui va chercher, n'est-ce pas, une fille pour son enfant. C'est ce qui se passait avant. Bon, aujourd'hui, on parle des droits de l'homme. Hein. Ah, effectivement. Mais je sais bien, mais je suis en train de parler de certaines façades. De parler des origines, c'est clair. Oui, c'est ça. Oui. Donc, c'est le garçon qui parle à son papa et puis le papa va chez l'autre papa. Il fait la course. Il fait les courses. Première étape, c'est ce qu'on appelle... Et puis, j'avais demandé à un chef traditionnel, il me dit, on trouve propos des choses comme ça, c'est... Avant, là, c'était seulement un litre de sorabi. Et puis, c'est fini. Qu'est-ce qui est fini? Un litre de sorabi. Pour le rentre-propos. Pour le rentre-propos. Et là, ça ne dit rien. Tu viens, juste, tu dis, comment on dit, à ton futur prétendant, beau-père, que, bon, c'est comme ça, j'ai trouvé une fille, et bon, comme ça, quoi. Et puis... C'est après, si on accepte ça, un consentement entre les deux papas, des fois on dit au soukouame, c'est-à-dire la fille peut passer. Et puis on la kidnappe. C'est ça. Et puis c'est là, après, tu vas donner, tu vas revenir. On va te
demander de donner encore certaines choses. C'est là où on parle de, comment on dit, la deuxième étape. Mmh. Comment on l'appelle même là? Non, ce n'est pas la dot. Ce n'est pas encore la dot. Ce n'est pas encore la dot. Ce n'est pas encore la dot. Premier pas. Premier pas. Mmh. C'est là où on dit, bon, j'ai oublié le terme en éveil, mais c'est Goldé Gomme. C'est-à-dire, tu as consigné la fille. Mmh. Il n'y a plus personne qui, n'est-ce pas? Qui peut encore se prévoir de quoi que ce soit. Mais là, tu apportes des choses, non? C'est ça. Un certain nombre de choses. Tout avec sa valeur. C'est ça. Mais ce n'est pas encore la dot. Tu as payé encore quelque chose, oui. C'est pas encore oui, la dot. Oui, c'est pas encore la dot. Mais oui, la suite. C'est la troisième étape maintenant qui est la dot. Et tu apportes encore des choses. Oui, là, on te liste les choses. Yes. Mais aujourd'hui, même avant de recevoir cette liste-là, peut-être dans certaines cultures, peut-être chez nous, par exemple, tu dois payer 5 000. 5 000 Oui, avant de recevoir la liste. Alors, tu viens acheter la liste à 5 000. Pardon, tu as payé 5 000, on te donne la liste. Oui, effectivement. On te donne la liste. Donc, à peu près, c'est l'essence même, c'est l'essence de l'origine de la dot. Ça. C'est comme c'est ça, ça s'est évolué. Mais aujourd'hui, on trouve des travers, des avers. Mais bon, on va aujourd'hui, on arrive à faire, hein, maman, madame, aujourd'hui, on arrive à faire les deux en même temps. On fait le premier pas et dot le même jour. Alors, on est. On l'a dit, pour le moment, on retrouve au barrière. Les Nkekerekadia, on retrouve beaucoup d'eau à Metabébé Zereka. Allô? C'est bien que tout le monde est en train sans eyina de kadikadikaye wo fifia whatsapp to amova be yola chanwa zireka yola cha yola ho on troupo ha kudo premier pas kudo dota zireka ya modono iwagboa ne gemeke oda ho ametabio ha odina no vovovo ola be ya yopo on tru e ya premier pas to ya e ya dota to ya enu opatava klinazi les tépés, les cavois, mon néné, béina, et on. Et puis, il y a une moitié qui est au néné. Il y a une moitié sous la bon. Comment étudier, n'a pas tant que les fiabas sont étudiés. Et nous, on va sous la bon. Que au globina, et on a do à mea, boa, et bea, mi, et de cadjevi, coutube, djeviwa, on badona, on en a pas. Donc, il y a un to, au dogo, les fiosse, mes vents. Au roi, nous, les fiosse, mes vents. O yiwa no no gbovo o pu se ke o gbele le wa no no ti kaka e ti konovo ke ngbe o vavana di la o gbo ko gba jo va vavo wa be nu agba va suna gbon leke eh parce que c'est trois choses finalement ça se comprend eh o ko si la liste doit être longue c'est que c'est pour trois cérémonies donc ça peut se comprendre a metabio biode muni enu enu gande benina leke o c'est que e le ko gbo na ma et nous, l'on à l'eau symbolique, et on popo en fifia. On l'a tenu à Hadé Sibé, 2500 baranéni. Et vous, on m'en a bien le cas. Vous, et bébé, keke, mi ami le quoi me doa, on l'a bien en popo, on l'a ramené. Coudo 50 000. On le quoi? Pour la première procédure. Et ma pauvre. Donc, elle explique, je vais essayer de brosser un peu avant que vous ne continuiez. Oui, c'est quand même assez. Elle a repris en fait tout ce qui a déjà quand même été dit. Donc, on arrive à faire les trois en même temps. C'est ce que vous continuez plutôt. Ova Hona, Ohona Sibé, Ola Teo et Hon Popoba Rafia, 2500. Donc, à la base, le premier, la première étape pour un popo, machin. La première bouteille à prendre, c'est juste une bouteille. Bouteille de sorabi de 2500, normalement. Mais aujourd'hui, les travers, c'est parti à loin. Ekbemea, et un popo, la rodomea. Olabe yola huaha, Matini, Campari, JB, Cognac, avec 20 000 et 50 000. Waouh! Egbeme nous komi le po egbekudo nous komi le sia et on popo ba le po wan lo OK va y premier pas fifi ya ola te va bia rasi bébé amadi allo ameni nene nene o bien normalement ami ça comme culture premier pas le moment dans premier pas de pe le ho egbeme ho lo memi le c'est que togua premier pas de pe ba ha mawu ameton yé ebe gama to 20 000 ntio na ha le kan yo chi le etan se be oblo on se écrit ou je pose la question oblo premier pas ba hari mawu amene yé mawu 20 000 ntochon
premier pas bara et la vanille amévée. C'est quel genre de boisson souvent? Être pas dire la boisson, le lot pour les premiers pas, ça peut pas excéder 20 000 francs des boissons à offrir, quoi. Ça peut pas excéder 3 ou 4 bouteilles. Et c'est quelle boisson? Est-ce que Hadou l'est précisément? Hadou, tolé. Onina, c'est qui? Ametabio, bio, benoît. Et Nina et nous débé à Raoulé, Midati à Haro, Kova, les Jeffy Patakata. On l'a tête de chine de cas, qui est menon à blanc, hein. N'est non à fille, n'est pas en aver. On l'a tête de. On l'a dit chinaps, c'est pas d'eau et noix de cas. Yéné à mea et bon, djé, et n'y a aucun belé ya. Et la télé 20 000 d'assis. Assoy et fito, Bobinari. On va bien quoi tu ya. Et bien nous, Georgina, on va quoi? Ma honde le miagbo. Ou quoi? Ma honde le miagbo. Yé bela soewana, yé paron la hoyola benyu, yina va. Mila te so homa dodo. Allo mila dangina mia bevia. Allo mila yo won to. Yo lava homa. Dans le premier pas, comme ça, quand on donne ça, c'est pour prendre dans, finalement la liste de la dot quand on vient. Non, maman, ne a miava au premier pas. Koko koya, eva d'ici, oui. Et premier pas, que me voit au premier pas quoi, et le tona mi be musogbe. Ye ma va homa, ye ne va homa voa. Ken bon ko le homa mea, ye be la vane. Ken ken na homa ken la no homa anji. Homa wa be nya le fifi. Non, finalement, comme vous dites quand même qu'on fait les trois ensemble. Vous parliez de boisson, vous allez parler, hein, vous avez dit que c'est beaucoup. Comment on fait le tout ensemble, c'est peut-être ce qui justifie qu'il y a beaucoup de boissons. Parce qu'il y a la boisson de coco-co, il y a la boisson de premier pas, il y a la boisson finalement de la dot, avec l'argent, tout ça. Ça peut expliquer, non? Allô? Même nos bawa mettons en détour, c'est que nous bénis étape par étape, on nous channel du donc déjà, le fait de faire ça ensemble, ce n'est pas bien. Non. On doit recommencer. Il faut que les familles réapprennent à séparer les choses, à faire les choses dans les normes, vider. Doit et son dédé chamouni ndé beñié ou le poudre ou la té au premier pan nyon noir. Ou la va bon nyon noir ba fort dédé. Alors la va sendé ou alou ndé ou la va pobé homé wa mé le ké ou le ya. Ni fo fo gbleva isan. Ou la don van bo do mebe. Ni magba té yiké ou et moi au série premier pas. Mais quand vous même vous dites qu'ils avaient déjà fait le premier pas dans le bail, ils se connaissent tous déjà. Ah, et ouais. Quanto o ho ameta hanu le fio se a meke kenvo. Fifi aye no ho lis moi va voir. Lis a meye nous kemi le blobe premier pas et non aimé. Alors donc c'était cette affaire maintenant c'est cette troisième liste qui pose problème à vous aujourd'hui. Oui. Quel est le problème que vous rencontrez? C'est quoi votre problème? Enyon et a fokli nous ke yemi le dogolé et lis moi me bien ni be. Nyon nous vit. Chouchou ban. Gbelegbe togbo na be ni nyonu le ahoya ele gbejia e ba meta bio bio chan tona vo. Elle dit qu'une femme, une fille vierge, c'est différent, hein, c'est la procédure pour sa dot et puis tout ce qu'on offre pour elle, c'est différent. Vo e gbebe nkeke mi a nyonu vi on toke ki mi nyonu on toke ki mi to afio mi to afio mi to afio keke vo. Aujourd'hui il y a de bons amours de filles vierges. Bon, en même temps il y en a, hein. L'homme en tout cas. Fifia, lisse moi ya mova hona igbe. O la po lisse amea. Avo. O la te ngolo. C'est que mi abe tasi o. Alo mi aba tavi o Fifia. O je si avo be kalite gangan o. Par exemple, mi aglo vitikure le kebe. Lisse de vana miniso. O be édition limitée. Amené. Oui. Grand super. Amené. Super Ballo amené. Bon, y a, ça va changer à 105 000, 103 000. Roland Ballo amené. JTP amené. Oh, c'est que 4-4-4, hein? Avant que 4-4, avant que mi bluffi fi 4-4-4 moi, mi a dada le fou, mi bia bene nebe la oma. Mi do 1 million me vo. Ne mi do 1 million me chan ou vire kwe la tole. C'est la valeur de la fille que la famille va laisser, en fait. Benade, tata. Mounibé, c'est que mounibé valeur, ben yaye, mille bluff. Et moi, de yovo yonebe exagération. O le wea, pa, fifia yo lavang mouna hao, on l'on a hao, kaka. Oh, a hao, ke no do fio si ou mien toi, a radicalani 24 000.
ni a nyemu po le Togo obio meta yobio 20 po voye gbe a on a 20 cartons meta da ni mi a to gbe we da ba nu 20 sans sorabi kudo deha ye po ho en même temps il y a la modernisation il y avait pas WhatsApp il y avait modernisation man o ko bien nous kenyi te konu re modernisation bi nyami le gloire no yo divia me ve po o tro gbo ba home nke o parce que o mu zonde e de konu a di o a metabio bio chandi c'est que enu de benyinyi miabe eho miabe ejume benyinyi c'est que africa be valeur ben de benyi yo lawo yo vo mu wona nu o de yo vo mna na vo c'est chez eux là bas ça voilà nemi le jibe nya no sibe wa wonene kwa nya cho mi magba na vo nya fo fo ku miabe vio o magba na vo on peut pas togbi le togbi va se fâcher parce que c'est pas évident. On va suivre une photo. On a quand même pris des images qu'on a retrouvées sur YouTube dans la préparation de l'émission. Si les gens ont pu déposer leurs images dans le domaine du public, c'est pour usage public. Oui. Donc, dans certaines communautés, il y a même un défilé. Vous pouvez passer la distribution des biens. Dans certaines communautés, le parent, le papa, il passe, il prend sa veste, il prend ses chaussures et ceintures. La maman passe, elle prend son sac et ses chaussures et tout ça. Le tata s'y vient, prend sa machine à coudre. Le tonton, le petit frère vient, prend sa moto. C'est-à-dire que, voilà quoi. Oui, vous vouliez préciser quelque chose, M. Ayivi? Oui. En fait, quand elle expliquait tout à l'heure, les dots, bien la dot ou les fiançailles, ça se passe par rapport au type de fille ou de personne. Par exemple, les dots entre familles, entre membres de famille, hein, les cousins et les cousines qui se marient ou les gens de la même famille. C'est interdit de se marier entre cousins et cousines. Non, quand je dis cousins et cousines, c'est... Bon, oui, les familles longues, marchent longues. Oui, dans la même famille, dans le même village, ce qu'il faut donner n'est pas aussi consistant que ce que quelqu'un, qu'un étranger donnera. Et on sent l'étranger qu'il est un peu lourd. Là. Non, pas qu'on sent l'étranger qui est lourd. Parce qu'il y a une session qui se fait, pas session de la fille, hein, il y a une session qui se fait, ce qui fait que l'autre ne doit pas bénéficier de ce que nous avons de commun à 100%. Mm-hmm. Donc cet aspect, il faut l'évoquer. Maintenant, une fille bien éduquée, comme on le dit, cette fille n'est pas à brader. Bon, quand je dis n'est pas à brader, n'est pas à laisser... Il faut quand même faire la différence. Il faut faire une différence. Pour susciter l'émulation avec les sœurs. Avec les sœurs. Pour qu'elles voient que, comme elle a pu se préserver comme ça, on l'a honorée de telle manière. De telle manière. Alors là, il faut que tu emboîtes ses pas aussi pour être honorée de la même manière. Alors, ou plus d'ailleurs. Donc, il faut souligner cet aspect. Nous avons bien tard. Et nous avons où nous avons les bédios. Non, je viens d'arriver. Madame Magui, je dis que, en fait, tout ce débat, vous, votre position, elle pense qu'on exagère, mais vous, aujourd'hui, vous êtes femme, oui, activiste sur les questions de femmes, mais est-ce que vous trouvez quand même une pertinence à la dot? Oui, pertinence à la dot dans ce sens que lorsque on fait une cérémonie de dot, ça permet de sceller une alliance entre plusieurs familles. Donc la cérémonie en soi, je ne vois pas où est le... Il n'y a pas de problème à ce qu'on puisse organiser cette cérémonie où les familles se connaissent, il y a cette alliance entre les familles au niveau de la tradition et autres. Maintenant, ce qui constitue l'exagération, je partage la position de notre sœur, c'est la liste qu'on demande. Qu'est-ce qui justifie aujourd'hui, quand on va dans une famille, qu'est-ce qui justifie qu'on donne une liste de, je ne sais pas, de plusieurs milliers de choses, des pagnes, des choses. Chaque famille a son fonctionnement. Mais le problème, c'est que même quand vous allez dans une famille, aujourd'hui, la manière dont les choses se passent, quand vous rencontrez peut-être l'oncle aujourd'hui, vous lui demandez qu'est-ce qu'il faut pour la dot. L'oncle peut vous donner une autre liste. Après, peut-être la tante peut donner encore une autre liste. Parce qu'il n'y a pas de liste vraiment, rien n'est figé. Des fois, on vous dit, les gens du village ont envoyé une autre liste. Mm-hmm.
C'est les gens de Lomé qui disent que non, c'est pas cette liste. C'est pas ça la liste. Donc aujourd'hui, rien, franchement, rien n'est vraiment coordonné au niveau des familles pour dire que réellement, quand on veut organiser une cérémonie de dot pour une fille dans cette famille, voilà, c'est ce qui doit se faire. C'est vrai, monsieur Togui, est-ce que c'est pas une bête, désolé, merci. Monsieur Ayivi, est-ce que les familles ne sont pas vraiment organisées? Non, les familles sont bel et bien organisées. Toutes les familles savent, il y a des familles dans lesquelles c'est bien écrit, non? Non, le problème qui se pose comme madame... Le problème tel que madame la soulève, quand vous rencontrez une fille à Lomé et vous voulez tout faire entre vous, ben, vous serez mangé à la sauce à laquelle vous vous êtes préparé, d'ailleurs. Donc, c'est pourquoi, d'ailleurs, c'est la rencontre des familles. Et ce n'est pas au monsieur qui rencontre une fille, qui fait les démarches pour aller se marier. Il faut que le garçon retourne à ses parents. Et c'est aux parents de s'organiser pour aller rencontrer les parents de la fille. Bon, c'est pas ce qu'il va arrêter la démarche, la quand la démarche est faite ainsi, vous aurez une liste où vous serez accueilli de manière responsable. Mais si j'arrive en singleton avec un ami, ben, sur qui vous tombez, vous voit aussi comme une proie, alors là, vous serez mangé tel que vous vous êtes présenté. Alors, pour vraiment redonner la valeur d'antan à ce que c'est que le foyer, la famille qui est créée à partir de la dot, il faut que nous redonnons cette valeur, c'est-à-dire nous réhabilitons par exemple ces bonnes pratiques. Ces bonnes pratiques, c'est quoi? Ce sont quoi? Il faut que les familles, le garçon, ait une communication avec sa famille. Oui, et que c'est la famille. Est-ce qui va empêcher? Est-ce que Nenyi Mena Devia et Domi Paranorawa et Holiste va élanier un beau mané? Non, quand c'est responsable, ce sont des responsables qui se parlent, donc on sait ce que c'est. Alors, madame, ce que c'est. Un instant, oui. Olawe Holiste de Fifi, Devia va ta vie où on a liste de même famille Melo. Yo la sonna nous soit. Yé nous soit là nos boy. Et là nos boutam linti. Zandea devia be tasi oku devia be onkulo. Otro on a liste bou. Ola be liste ya kova hosan. E ya mi la trobe. A meye do la wo lisa. Nou kenti a meye va wema. Do dome le fou noua. Problème va nanani. Ne nous soit be. Yé be plédea. Akbo be ne be kegbo doa zan. Bola o dota famille de mouvano voix de viachana no globe o l'école biotanye e nonya be parents mavalo nu mavoma ici nous soit eva chana ka il est au milieu oui eva chana ka nema no emewa eva wona be ola player ola player yo ola so chakeke yo so va bien americata onana lisa meve elle. Oui, vous voulez réagir. Soulever quelque chose, en fait. Et en fait, nous sommes en train de soulever le problème de surcharge, en fait, si on peut le dire ainsi. C'est pas nié. Ce problème-là existe. Et en fait, au début, la dot, c'est pas pour enrichir. Bon, pour les téléspectateurs. C'est pas pour enrichir. Tout ce que les parents investissent dans la fille. Non. En fait, pourquoi je dis ça? Parce que, en fait, d'ailleurs, on ne peut même pas payer un être humain. Oui, c'est clair. Un être humain n'a pas de coût, donc, pas de valeur. Mais aujourd'hui, c'est ce qui se passe. La dot devient un business. C'est pas pour enrichir. Pourquoi je dis ça? Parce que, avant, dans chaque famille, on appariait, c'est-à-dire on rattachait une fille à un garçon. Maintenant, si la fille là, c'est-à-dire la dot est faite pour la fille là, après les cérémonies, certains rites pour les esprits, etc., le reste, c'est pour ce garçon-là, mais ce n'est pas à manger. Il fait quoi avec? Ça lui permet de faire quoi? D'aller chercher, trouver aussi une autre femme avec, ainsi de suite. Attends, la dot qu'on m'a apportée, toi, tu vas aller te marier avec ça? Oui, en fait, c'était ce qui se passait avant dans certaines cultures. Okay. C'est juste parce qu'il n'y a pas de moyens. Lui, il a fait quelque chose. Lui, il a doté peut-être ta petite sœur. Donc, on fait certaines rites, etc., avec certaines boissons. Lui reste là, on prend ça. Et puis, on réserve ça. Même jusque-là, il y a certaines cultures, on y trouve ça encore. On réserve ça. Et puis, lorsque peut-être un grand frère a, n'est-ce pas, son âge nubile,
il peut prendre ces choses-là. Voilà, c'est pas pour le, c'est pas pour la famille, c'est pas pour en fait enrichir. C'est, en fait, c'est un bien quand même. Oui, c'est un bien. Qui rend le patrimoine. Oui, de la famille. Pour permettre à tout un chacun de pouvoir en fait trouver et puis perpétuer, comment on dit, cette pratique coutumière. C'est ça. Ah, il paraît même que les boissons, on ne les boit pas toutes, qu'il y en a toujours qui doivent rester, mais à vie quoi. Qu'on doit, Monsieur Ivy. Pose les dots, il y a toujours les boissons. Donc il y a ce qu'on appelle Todiha. Todiha, c'est quoi? Du schnapps ou du gin. Et quand on fait la répartition, il y a toujours une ou deux bouteilles qui est toujours conservée. Mm-hmm. Et tout d'abord, pourquoi? La première des raisons, c'est quoi? Il faut toujours garder à ceux qui vont revenir après. Ceux qui vont revenir après, c'est quoi? Il y a des oncles qui ne sont pas là, des tantes qui ne sont pas là, qui doivent aussi boire à cette boisson, et ainsi de suite. Maintenant, il se peut qu'il y ait un jour, il y a un problème. Le problème, c'est quoi? La dame veut partir ou le monsieur veut se débarrasser de la femme. Et cette boisson témoin jouera un rôle. On la sortira pour témoigner que vous reconnaissez cette boisson. On la sortira pour d'autres cérémonies. C'est pourquoi, d'ailleurs, dans certaines traditions, il n'y a pas de divorce. Parce que quand vous parlez de divorce, de mésentente, il y a toujours... C'est pourquoi, au départ, je parlais des tantes qui viennent. Et c'est la famille, c'est deux familles qui se marient. Ça veut dire qu'il y a un début de problème. Il faut se rabattre sur les tantes. Voilà, qui règlent toujours. Qui règlent toujours et toujours pour que la famille reste et persiste. Parce que vous avez déjà donné d'enfants, et ainsi de suite. Donc la boisson, la dernière boisson, là, doit rester jusqu'à... pour toujours, comme on le dit. Alors le problème en fait, la problématique aujourd'hui, c'est cette surévaluation de la dot, hein, qui fâche beaucoup maman Bernadette Abadelo. elle pense peut-être, je sais pas, que ça peut éviter, ça peut empêcher que des garçons fassent le pas, que ça peut constituer un fait pour qu'on ait, je ne veux pas dire des vieilles filles, même des filles en âge avancé, mais qui ne se marient pas, ou alors des filles qui sont avec des hommes, mais sans avoir franchi cette étape importante. Allô, Madame Bernadette. Est-ce que c'est la dot qui empêche l'exagération que certaines familles font. Je pense pas que la dot, quelle que soit sa cherté, peut empêcher le mariage. Non, ça, je alors, peux pas... Alors, elle va s'expliquer. On a un petit peu de blanc. Et à mes deux bahomia, nos biodotes, par exemple, Fifia, à mes deux biodotes, nos poids Fifia, les duya, mes kémilia, et là, nos cibé, 1 800 000 nénés. Dotes de dé. Nous, quand il y a un naïon, ce que tu as donné. Si tu dois donner autant, c'est que la fête va être grandiose. On pourra avoir des images de cérémonie, mais cérémonie, ce n'est pas un mariage, c'est une dot. C'est une dot, oui. Dot. Ola, c'est que et nous couravana et la vanne aussi bébé 1 500 000 néné béagban yé odavana c'est que nous soit possibilité mou laisser loi sans les mia maman ou bégamer ou de na coucou benade ah ou et nous y'a que mi wana mia et soubouan pa mi didi nami vo ek béa nous d'avoir de coucoua parado mou honoré ou glana bé nous m'le capable oua nous kentie ou va bé yava de son ou zuna kako zuna mion to mion yon ou vio bé ou ka avec plova maman nous souan ke m'le boré kwek pe nou a nous ya kongolone a et va le de coucoua en ken wanyama et vo kogbe le glone ne et ou yon ou via ou seke ou la tchaka ah et vo comme mion yon ou et nous gagne jona dinamia. Milan ne me kaka okudo nous sonwa mila kaka va peut-être et sommeya nous que nous sommes te wona wegbiwa et la teva we non sofan nous sur la te ple alors gavi ponoto la so biota wegbe et soa et la te do diama na we et so ni ma uva yiria et la te or gram nene ke odia so dwalo na we nous espérer que so cha et la te nation d'angbe fonne il y a les éventualités tout le monde. Donc, je pense que les gens ont choisi de prendre des garanties. Des et moi, mon garantie. Quelqu'un dit que certains hommes considèrent qu'avoir donné la dot, c'est un peu comme avoir acheté la femme. Du coup, cette femme, elle leur esclave, surtout quand il paie très cher. Mm-hmm.
ne nyam le fi e fifi ne mu do agbande sibe 3 millions bagban ke lo ya me le sin fifi a nso ve bi onyo nu reta no be o ma se nu wa manya wore manya wo no mama dot de jijo be nu e be nyina yo ve wona e de o fifi a o do funa me abi vivo o be va bi eta tutu gban o la ho e fu ba hala si o vo ken gbo la va bi eta ko mu le jinyo para o chom le jibe a hodo me a jina be e vinu suvi ne podi yo be nko o ko para o la do tagun la be e mi an be vie ve jige yo la nanu gbogbo gbogbo won o nto kare dibe no va e se ke o la va se ke o la va nani le home wa me nyue de a merci à l'amour oh ma sœur qu'est-ce que vous appelez l'amour Bon. Alors, Madame Agué, effectivement, vous confirmiez tantôt que cette exagération, je prête votre mot, j'en prends votre mot, elle peut empêcher de passer à la dot, de passer au mariage. Bien sûr, puisque on a eu des cas. À votre niveau, on a eu des cas où le couple vivait déjà en concubinage et ils avaient des enfants. Mais la famille de la dame exigeait des choses que le monsieur disait ne pas avoir les moyens de pouvoir honorer. Mais est-ce que c'était quand même des choses vraiment exagérées ou alors le monsieur lui-même, c'est lui qui a exagéré? Le monsieur dit que ce qu'on lui demandait était trop exagéré et que lui comme pense... Comme il sait qu'il a la femme déjà, c'est ce qu'il et a que lui pense que au lieu de dépenser autant d'argent pour aller remettre à la famille... à la belle famille, cet argent-là pouvait servir à autre chose. Non, justement, finalement, quand on donne la dot, ça revient à qui? La femme garde une partie, non? Ça revient à la femme. Une partie revient à la femme, une partie, une certaine... Dans la composition de la dot, il y a certaines choses qui vont aussi à des tantes et autres. Allez, on peut voir l'image, s'il vous plaît. Fadel, aidez-moi à voir l'image de la répartition des biens. On va voir ce que je vous disais tantôt. Tout le monde passe prendre sa chose. S'il vous plaît, oui. Donc, ce n'est pas tout qui reste à la dame. Ce n'est pas tout qui reste à la dame. Donc, finalement, ce couple-là, ils ne se sont jamais mariés. Donc, il y a aussi des cas où qu'on rencontre où ce que la famille exige, vous allez voir aujourd'hui, peut-être c'est la femme même qui va aider l'homme à acheter les choses pour aller remettre à la famille. Donc, dans ce cas, je me dis, est-ce que ça a encore un sens? Est-ce que ça a encore un sens? Si moi, en tant que femme, je dis, voilà, c'est ce que ma famille exige. Et je sais très bien que mon partenaire n'a pas les moyens et que je vais acheter en catimini pour lui donner, pour qu'il vienne remettre. Est-ce que ça a encore sa valeur telle que ça a été expliqué au niveau de la tradition? Et en plus, là où je partage encore l'avis de notre sœur, c'est quand on nous a expliqué, par exemple, les premiers pas, la signification, les étapes, chaque étape a sa signification. Ouais. Aujourd'hui, si nous brûlons les étapes, quel est l'intérêt d'exiger encore les boissons de ces étapes-là? À une étape finale. À une étape finale. Ouais, oui. Puisqu'on dit, on vient dans un premier temps, on a le temps de pour se signaler, la famille a le temps de mener les enquêtes et autres. Maintenant, on a laissé toutes ces étapes-là, on se réunit à la dernière étape, et maintenant, il faut prendre les boissons de ceci, l'argent. Des étapes passées. Quel est l'intérêt de le faire? Peut-être quel est l'intérêt de le faire? Je ne sais pas trop. Maintenant, finalement, pour ceux qui disent que c'est trop et autres, puis allez. Bon, la vidéo va continuer. On va arriver au niveau. On pourra toujours en parler. Puis il y a madame. Dans les textes du Togo, dans le code des personnes de la famille, dans le nouveau code, c'est dit qu'on ne saurait exiger une dot en nature et en espèces qui excède 10 000 francs. Et même que, tout de suite, en début d'émission, Madame Aguen nous informait même, effectivement, que c'est prouvé que le certificat de dot n'est plus exigé, même dans les documents, pour le mariage. Donc, on peut s'en passer. Alors que dans le texte précédent, il était bien listé un certificat attestant de ce que la famille accepte la dot ou bien que la famille renonce à la dot. Dans le nouveau texte, il y a plus ça. Mais il s'est dit 10 000. Il dit, au combien de mois, sous grand pas, il y a tout 9 500 ou 10 000. On m'a dit tout
10 millions. Oui, tu es contre le Togo. Le Togo a dit de payer 10 000. On m'a dit tout 10 000. Même si on a voté, on a voté. Bavo, où y en a un débé la paix du cœur. Là, c'est le partage, hein. C'est les chaussures et les ceintures et la veste pour papa. Et bien, Evo. Nenibe enonyi la ve nano viowa problème de pepemlo. Ne etonyi echala nano viowa problème de pepemlo. Vo egbemia obe olana bofre esron be novi echala ho ebe ga. Wachon la ho waba ga. Waba waba ha. Novia sero ocha ola ho wabe nu. Oui, au-delà des soeurs, quand même, monsieur Aïvi, alors monsieur le sociologue, il y a quand même Nineha, Ninevo, Enoha, Enovo. Avant, mon nana Nina Nineo, les miens de Togo, il y a un amiré d'avec Bia Mérita, il y a un amiré d'avec Bia Mérita, il y a un amiré d'avec Bia Mérita, non, non, pardon, Nineha, Ninevo, Nineha, Mouléo, Tata, vous êtes dans toutes les traditions, toutes les traditions, Bernadé. Toutes les traditions, Navibavo Moulou, Kaflan, ne enoke jiwa Moulewa, enoke jiwa Moulew. Navi, ye navi de le, eva nani, ye bedoli enote penawa, avoko sona noa, ye ola sonne, e ya levo. Omu nana tasi avo, eto e kon avo. Ne toho avoare, ne la sona no vianyo no viane sone, ne muda sone wa, okuibe nyaye wa, vwa tasi mu honavo, nyine mu honavo, navi mu honavo. C'est traditionnel, c'est vrai que tasi et tout ça, non mais tasi elle est chère, hein? Tasi est précieuse et puis le nyine, chez certains c'est le nyine, chez le Kabye par exemple, c'est le nyine qui prime. Hein? Donc, bon, c'est... en fait, cette extravagance n'est pas chez le traditionnaliste. Ou dans la tradition. Vous, y a pas... Non, non, dans la tradition, effectivement, il n'y a pas de truc pour tasser, pour nier. Non, nani. En fait, ce n'est pas ce en quoi je voudrais venir, mais l'extravagance dont on parle n'est pas régie par la tradition. Oui, c'est clair. Donc, la tradition, s'il faut évaluer réellement ce que la tradition demande, ce n'est pas grande chose. Et les boissons qu'on demande, quand nous prenons, par exemple, ce qui est exagéré, au niveau des boissons, vous avez 6 bouteilles de fort, de boissons fortes, et peut-être 6 bouteilles de sucreries mélangées de bière, ainsi de suite, plus quelques pièces. Les pièces, on parle de 12 pièces de pagne. Bon, je suis en train de donner juste quelques indicatifs par rapport au commun. 12 pagnes. Et ces 12 pagnes, ce n'est pas les éditions. Non, ce ne sont pas les éditions. Les éditions limitées. Bon, l'édition limitée, peut-être, si moi, je veux acheter les éditions limitées à ma femme. Oui. Bon, maintenant, ça dépend de mes capacités. Les pagnes, là, c'est la femme qui garde, non? Oui, c'est la femme qui garde. Et je n'ai pas encore répondu à la question. Oui. Oui. Pour dire que ce qui est demandé, ce n'est pas pour distribuer à la famille. Ce n'est pas pour distribuer à la famille. Donc, il n'y a rien dans la chose qu'on remet à oncle, prends, tassi, prends. Non. Sociologue. Bon, voilà. En fait. C'est tassi, les Guinéens, monsieur, fâché contre nous. C'est un peu aberrant aujourd'hui. Ah, lui, c'est un gros mot en plus. Non, c'est de la honte parce que moi, je dirais que c'est un péché contre les droits culturels. D'ailleurs, vous avez parlé de notre législation qui, aujourd'hui, article 58, bien sûr, dans le code des personnes et de la famille du Togo, il dit que bon, la dot ne peut pas excéder à... Vous savez... 10 000 francs. Non, si un gars, monsieur, on lui donne une liste qui est exorbitante, le monsieur peut se prévaloir de ce code
de ce texte et aller porter plainte ou bien réclamer. C'est la vidéo même, la vidéo que vous aviez passée là, c'est ça. En fait, sociologiquement, nous devons, si on parle de la dot, c'est culturel. C'est une pratique culturelle. Et l'effet culturel, on doit laisser l'effet culturel se diffuser d'une façon autonome. C'est-à-dire, on ne doit pas dicter certaines choses. Même s'il faut relativiser, s'il faut moderniser, il ne faut pas toucher la quintessence de la chose. L'essence même de la chose. L'essence de la chose, il faut laisser ça. Parce que si vous touchez à l'essence de la chose, c'est comme si vous péchiez contre les droits culturels. Mmh. Alors que même dans d'autres codes, comment on dit, dans d'autres articles, on dit que nous avons, bon, nous nous réjouissons de nos cultures. Mmh. Et maintenant, ici, on porte atteinte maintenant à ces cultures-là. On ne peut pas dire que, bon, 10 000 pour le truc-là. Ça, c'est comme un prix d'achat. On ne refuse pas. Il y a des travers, il y a des exagérations, mais ce n'est pas autant de pouvoir... ne saurait excéder 10 000. Donc, oui. Ça peut être même 125. Ce qui est pire, même dans d'autres pays, c'est interdit. Oui, la dot même est interdite dans d'autres pays. Oui, en Côte d'Ivoire. Aussi, si leur culture le permet. Alors, il y a un prêtre qui dit cette affaire de dot pèse effectivement sur nous les prêtres parce qu'à cause de ça, trop de nos fidèles sont abandonnés. Il faut que les parents diminuent les dépenses. Parce qu'au-delà de ce que vous apportez comme exigence, il faut organiser la fête dans une décoration. Alors qu'on sait que c'est la famille... Là, c'est la famille de la fille qui organise la fête, normalement. C'est la famille de la fille. On peut voir les images. J'ai des images, s'il vous plaît. Aidez-moi à illustrer l'émission. Madame Agué, quand même. Madame Agué, 10 000, allez. Je pense qu'il faut que nous essayons aussi de comprendre la dynamique, la logique dans laquelle le législateur a mis 10 000. Et je voudrais aussi rappeler que ce montant de 10 000 ne date pas de 2012 ni de 2014. Mm-hmm. C'est depuis 1980 quand on a adopté le code des personnes de la famille, le premier code. Donc c'était... Les 10 000 de l'époque. Les 10 000 de l'époque, oui. Donc je crois qu'aujourd'hui, nous sommes dans l'ancien code, nous sommes dans une dynamique où on a dit c'est l'homme qui est le chef de famille, c'est l'homme qui doit faire ci, l'homme qui doit... La responsabilité de la charge du ménage pèse essentiellement sur l'homme. Aujourd'hui, nous, sur le plan juridique, il y a une certaine évolution où on dit ce n'est plus l'homme qui est le chef de famille, la responsabilité du ménage pèse sur les deux composantes, l'homme et la femme. Donc, dans ce cas, si on veut faire la dot, c'est pourquoi le législateur a ramené la dot à un symbole. Il faut que les familles se réunissent, nous, cette alliance, mais avec un cadeau symbolique. On ne peut pas, quand un mari ou bien un conjoint veut faire des cadeaux à sa conjointe et vice-versa, ça ne doit pas être une exigence. Aujourd'hui, on dit sur le plan coutumier, par exemple, c'est les pagnes, tout ce qu'on apporte, c'est la femme qui garde. Donc, c'est comme un cadeau que le mari fait à sa femme. Il y a des boissons quand même que la femme garde. Il y a quand même une partie que la femme garde. Une part. Et les pagnes, tout ce qui a pagne et autres, là, c'est femme. Donc, il faut laisser la liberté à l'homme de faire les cadeaux qu'il veut à sa femme. Donc, on ne doit pas... Et le moment aussi. Le moment aussi. Il peut faire ça après, quand ils seront ensemble au foyer. Voilà, quand ils seront ensemble au foyer. C'est pour éviter que s'ils ne viennent pas faire au moins là quelque aujourd'hui, chose. Aujourd'hui, moi, je dis toujours, aujourd'hui, nous sommes en train de dénaturer tout. Quand vous allez maintenant à des cérémonies de dot, qu'est-ce qui se passe? Vous voyez des colis emballés, on vient avec des colis emballés. Personne ne sait ce qu'il y a dans ces colis emballés-là. On n'ouvre plus devant les autres, on dit oui, il y a les gens qui vont, il y a l'envie, il y a ceci, il y a cela. Donc, c'est peut-être deux ou trois personnes qui prennent ces colis-là et vont les enfermer dans la chambre. Est-ce que c'est ce que notre tradition veut? Est-ce que c'est ce que notre coutume nous demande? Aujourd'hui, nous-mêmes, nous avons... Normalement, on devrait exposer ce à quoi on vient demander la main de la fille pour que toute la communauté sache que nous, on le conserve bien. Aujourd'hui, on dit on cache tout. Non, n'ouvrez pas. N'ouvrez pas, on la met dans les chambres. Donc. Voilà. pour la cadette, alors que l'année n'en a pas reçu. Il faut tout cacher. Oui. Et puis, je pense qu'ils disent qu'il faut cacher ça pour que
tu ne portes pas le paillet qu'on te dise avant qu'on soit bien ton histoire au don, hein, bon, genre que tu n'avais pas de pagne avant. Et oui, au-delà de ça, on va vous dire aussi que les tantes vont. Il y a des tantes qui ont des regards envieux. Envieux, qui vont envoyer des esprits. Voilà, des histoires comme ça. Est-ce que ça. Ah, c'est peut-être pas est-ce que c'est encore. Hein. Moi, je demande toujours, est-ce que c'est ça encore notre tradition? Est-ce que c'est ça nos traditions? Oui. Malheureusement. C'est ça. C'est pas la tradition. Mm-hmm. En fait, je continue toujours par le dire. C'est aberrant. C'est extravagant. Parce que tous ces problèmes-là... On a des images de dots, hein, la cérémonie, c'est-à-dire que c'est plus que le mariage. Hein. Toute cette problématique-là, en fait, a des, genre, des facteurs. Il y a le suivisme. Aujourd'hui, il y a le suivisme parce que telle personne l'a fait ainsi. Moi aussi, je vais vouloir le faire comme lui. Et puis surtout, on copie peut-être d'autres traditions qui ne sont pas nôtres. Effectivement, c'est là où je veux en venir. Oui. C'est-à-dire, on copie des choses ailleurs pour venir implanter. Sociologiquement, ce n'est pas ça. En fait, c'est ce qui... Je ne voulais pas aller sur notre point. Mais en fait, c'est le comment on dit, copier-coller là. Oui. On copie Nigeria, on copie Côte d'Ivoire, on copie du Ghana. Même, je dirais que ce copier-coller là, c'est ça même qui a... pousser aussi malgré le fait qu'il y a plusieurs paramètres qui l'a poussé à législater, n'est-ce pas, que c'est 10 000, il ne faut pas dépasser 10 000, mais c'est un copier-coller. Parce que si ce n'est pas un copier-coller, et vous savez que c'est un patrimoine culturel. On doit légiférer fonction de la réalité. Oui, de la réalité, de la coutume. C'est-à-dire, ce n'est pas un truc macro. Non, aussi bien le législateur que les pratiquants, tout le monde a fait copier-coller. En fait, la dot, rien ne répond à la réalité du moment. Oui, la dot n'a plus sa valeur. Vous convenez avec moi que, en fait, la dot n'est pas macro. C'est-à-dire, c'est micro. C'est de la base. Claire. Chaque ethnie. Donc, si nous voudrions aujourd'hui que la dot revienne à sa valeur, ou à sa quintessence, il va falloir tenir compte, n'est-ce pas, de nos réalités à chaque coutume. Comment ça se passe chez vous? Comment on le fait? Maintenant, si il va falloir relativiser certaines choses-là, comment nous pouvons relativiser adapter ça à notre temps. Est-ce que c'est aller suivre quelqu'un parce que d'autres l'ont fait comme ça? Non, si vous faites ça, ce n'est plus de la dot. Et il faut toucher aussi, en fait, c'est très important de toucher dans ce débat, les fonctions de la dot. Fonction de la dot même, là, au début. La dot, c'est pour la légitimation. Au niveau des familles, c'est tout? Oui, ce n'est pas tout. Mais sociologiquement aussi, ça, c'est anthropologique. C'est-à-dire, vous donnez... aux yeux de la communauté, on sait que vous êtes ensemble. C'est la légitimation. Vous êtes légitimement, comment on dit, mariés. Ça, c'est anthropologique. Maintenant, sociologiquement, là, la dot, c'est quoi? Ça a quelle valeur? Ça permet la stabilité entre deux familles, la paix, l'union, entre deux familles, quatre familles. Et si on dit deux familles, on dit quoi? Deux communautés, deux ethnies. Et c'est pour cela, lorsque ça se passe... Deux peuples qui se brassent, on va peut-être se faire la guerre, etc. On va éviter plein de choses. Ça la portée, l'enjeu, n'est-ce pas, social que ça avait. Ça dit, il y a la portée sociale qu'on oublie aujourd'hui. C'est ça. Et puis, ce qu'on oublie aussi beaucoup, c'est la valeur aujourd'hui de la dot devant le législateur. On organise de grosses fêtes comme ce que vous avez vu à la télé, et on dépense beaucoup... pour après se complaire peut-être dans quelque chose que le législateur ne reconnaît pas. Madame Agué, dites-nous, tout ce qu'on fait, tout ça là, c'est-à-dire que c'est zéro en fait devant le législateur. C'est zéro, vous n'êtes pas protégé par la loi. Ça n'a aucune valeur, c'est nul en fait, c'est une union qui n'est pas... Qui n'a pas de valeur juridique, vous n'êtes pas protégé par la loi, parce qu'au Togo, malheureusement, le législateur ne reconnaît pas le mariage coutumier. Il sait que le mariage coutumier existe. Mais ce mariage coutumier n'a aucune valeur juridique. Donc, ça veut dire que tant que vous ne passez pas devant l'officier d'état civil à la mairie pour célébrer votre mariage, vous n'avez rien fait encore. Vous n'êtes pas protégé, vous n'avez pas droit à des... Je ne sais pas s'il faut, par exemple, des pensions de veuvage, s'il faut, je ne sais pas, une protection de la loi, vous ne l'avez pas. C'est que l'État ne vous connaît pas. L'État vous connaît en tant qu'individu séparément. En tant qu'individu, mais en tant que couple uni, l'État ne vous connaît pas. Quels que soient les millions que vous aurez dépensés en dots et en organisation de fêtes, l'État ne vous reconnaît pas. Donc, quand on arrive à dépenser aussi gros pour faire cette étape-là,
on est paumé un peu, on tarde pour faire le civil après. Allô? Il y a certaines personnes qui s'arrêtent seulement. Qui s'arrêtent seulement à ça. Parce que la fête était grandiose. C'est ça. Mais c'est en fait nul ce qu'on a fait là. On le compte qu'elle est déjà, madame. Au point, et nous, à décoration, dès que nous avons fait fille. Et que nous avons fait fiançaille, doté, décoration, balo-baloa, et doléa. Et on a 500 000, 600 000. Et nous, qui avons venu le menibé, on a fait donneur. Fiquez, on va les fifio. Nous, nous, à mettons. On la doit ou les filles. À mettons. On la les paparazzi. On la non, les nous, sous au champ, on la doit. Fiquez, y a l'eau. Les miens, maman, on a gamé, nous, Kenyan, Paul et Dilan, on a beau, Kobion, Avignota, Fonfomé. Très tôt, oui. Kaka, 6 heures du matin. Famille au levo. Ye on a ban. O koko bani ban va. O koko fo viva. Valise ben ya va. O son nou va. O nou keke. Deja kako la be 9 heures a messi a me kakan. Tro ye ba si me. So o webe ne pepe mo. Vonou ke mi va le po le togo be djume. Ek bebe keke menye be. Dota 18 heures. Mi le pla benino a wo. Mi le pla Nigeria to wo. 20 heures. Yo la va we. Et nous sommes les sendés gommés. Tata, nous sommes les sendés gommés. Nous sommes les sendés gommés. Et nous sommes les sendés gommés. Nous sommes les sendés gommés. Mais nous sommes les sendés gommés. 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 Nous sommes les sendés tasi on bakpo be ndela vajo ke mile bla emile wulo aha mile wo emballage are awu ko le do le ile voir tasi am pore wa hein ye o lave dazi pe o la do lobo o la do 20 de ke o la wonu si anu di e won tasi mle po funa aro funu anvi mule anvi aha kudo avo ke de vire pepe leta fifia fifia en tukwi ne pepe leta et y est pour tasser la quoi alors matin coup donc en campari comme il est jégbe si agbegbe les noix et y est tasser les dia alors on peut tasser les dia devait vivre fin 22 ans vieux fifia ne y en valait il aime le quoi wa chigan vont tonton à dos de poupu oh on a gonu pe on les met valait et on y est tasser les dia la quoi alors nous quoi et maintenant les me dit ma c'est gomme là une ta fille d'honneur et de officier obé gâteau fiançailles. Gâteau, j'allais bien. Et fiançailles de quoi? Obe gâteau fiançailles. Yo, tchou noir, les kékévi, mes pins. Tchou. Gâteau fiançailles. Ah ouais? Hein? Non, c'est les gens même qui, deux vidéos. On a 5 minutes pour finir. Hein? Oui. Oui. Tchou, les kékévi. Tchou, on s'en d'arrêt. Obe gâteau fiançailles. C'est la fête, ben. C'est la fête, l'aspect fête événementielle. C'est comme vous. Non, mais les bébés, Abdo, j'aurais et nous, Kémy, les blancs, les filles, on parle de. On parle de la couture. Et de Konoube Nyami le goût. On a les mariages. C'est vrai que. Et bague de. Le Konoema, à Metabio Biare, gâteau de fiançailles moule. Mais Nyade, on peut former, couper, au dogo. Wawa de cas. Et nous sacré, mais. Et nous sacré, mais. Tout bon toi. Solennel, quoi. Font former. Nyan pon a vigné de Wadi. Do djena kolo. De nous soit va comme. Yo dona lo kanao. Alo sonana tasire tasira dona tasire so dona egbe ben keke me a o enya wan gbalu mbenare e kenyi wa tutu keke via kakacho egbe sifia egbe yo egbe topo la be papa ti afa ibe papa non tout ça c'est quand on événementiel là mais bien pas de coupe bache ko le wa ambe coupe bache ko le wa e yemi so le wa fiancé ici. Qu'on a dit à autre bâche de carréfié, autre de carréfié, bâche en tola nous indique au sauva et nous affiançons à yamé. Ola do azaba, kenemi amokua. Fifi, y a un américain, il a un merci, il a 12 vidéos. Quelqu'un veut. Mbena de moula, on a mis les blocs. Et tac, bébé, non, non, bien, ta wa, il me reconnaît. C'est différent, hein. Et tac, bien, bien, y a ta, il me reconnaît. Non, ouais, moi, non, il m'a dit civil, tchankaba. Et Maria civil, nous sommes babale yo. Mais qu'elle a pleuré. Mais est-ce qu'il y a un délai entre le Togbui, est-ce qu'il y a un délai sociologiquement après les fiançailles pour passer au civil, est-ce qu'il y a un délai? Non, en réalité,
réalité, non. Il n'y a pas de délai. Il n'y a pas de délai. Mais tu il faut le faire le plus tôt. Le civil doit se faire quand même le plus tôt. Puis c'est ce qui est reconnu finalement. Non, normalement, une fois que vous faites le premier pas, vous faites les fiançailles, vous pouvez même également faire le tout. Hein, oui, le tout. Temps. Donc, le tout peut se faire dans un bref délai. Et puis rappelez que quel que soit le montant, la valeur de ce que vous aurez donné comme dot, au niveau de l'État, la fille, la fiancée n'est pas tenue de rembourser en cas de séparation. Vous la dotez avec 2 millions, un mois après, ça ne marche plus, elle ne te rembourse rien et tu la poursuis nulle part. Et elle n'est tenue à rembourser peut-être que... Les objets de valeur qui appartient à la famille. Un bijou de valeur qui appartient à la famille. C'est seulement ce qu'elle doit rembourser. C'est tout, sinon... Elle n'est pas obligée de rembourser. Alors, Madame Agué, aujourd'hui, oui, entre 10 000 francs et l'exagération, oui, vous serez sur les 10 000, c'est ça, oui? Oui, moi, je suis sur les 10 000, puisque maintenant, l'État dit que la dot ne doit pas excéder 10 000. Pas excéder 10 000. Si un monsieur n'a pas les moyens et s'il vient à la famille avec les 10 000, il y a certains parents qui disent même, bon, ce qui m'importe, c'est le bonheur de ma fille. Oui, ce n'est pas ça. Ce que je vais recevoir aujourd'hui. Oui. Ce n'est pas ça qui est le plus important. Mm-hmm. Donc, c'est, l'État a essayé de cadrer les choses pour éviter les exagérations, surtout à l'époque où les parents étaient tenus de donner le certificat de dot et que certains parents refusent de donner ce certificat en disant que voilà, nos exigences ne sont pas respectées. C'est ça. Et ça, c'était pour... Aujourd'hui, le certificat de dot est tombé. Alors, monsieur Aziabidji, vous, là, 10 000, pardon. Non, on n'a qu'à arrêter 10 000, ou bien on n'a qu'à arrêter avec 10 000, là. Pas... Ni pour les 10 000, ni pour les exagérations, mais pour le symbolisme. Oui, le symbolisme, ce que ça représente. Parce que si je dis 10 000, c'est comme si je suis en train de représenter la femme comme un produit de vente. Non, ça je dis non, carrément. Vous dites plutôt que chacun fasse selon sa tradition. Oui, ce que l'État doit faire, c'est de pouvoir sensibiliser, d'arriver à sensibiliser les coutumes, notre représentant chef traditionnel, de sensibiliser les gens, et puis les dames, de pouvoir comprendre la quintessence même de quoi ? De la tradition, de la dot, et de savoir comment, même s'il faut relativiser, pour l'événementiel, ce que vous dites là, je ne suis pas contre moi. Mais si il faut savoir. Si quelqu'un peut faire la grosse fête, la personne peut faire l'événementiel. Oui, mais il ne faut, mais donne, faut pas que ça touche la quintessence. Faut pas que ça touche la quintessence. Si tu veux orner, je ne sais pas, faire tout ça là, il n'y a pas de problème. Mais il ne faut pas que ça porte atteinte même, n'est-ce pas, comment on dit, à la valeur même de quoi, là. On peut faire la dot de 10 000, on donne une enveloppe de 10 000 à la famille, mais faire la grosse fête si on veut faire la grosse fête. Je n'ai pas dit ça. Monsieur Ayivi, oui, finalement, qu'est-ce qu'on dit aux uns aux autres pour finir? Qu'est-ce qu'on garde encore? Non, il faut redonner la place de la dot à la dot. À la dot. Parce que notre tradition a sa place et sa valeur. Alors, il faut que nous revenions toujours à ce qui... est idéal, la famille. C'est ça. Ça, c'est un travail au niveau des familles, des communautés qui doivent s'asseoir pour réfléchir autrement et revoir cet aspect de la chose, quoi. Redonner la dot sa vraie valeur. Je pense que ça pourra même faire comprendre aux fiancés la valeur de ce qu'ils font. Ce sera moins la fête, mais ils comprendront que c'est un vrai engagement à deux. On verra plus l'aspect festif, on comprendra que c'est quelque chose de sacré. C'est l'engagement de deux familles. De deux familles, comme vous disiez. Oui. Alors, Madame Bernadette, maintenant, 10 000 à Mouyon, voire, moi, par les gens, moi, souvent pas, gars, souvent pas. 10 000 à Ré, et à Mouyon, voire, à moi, par les gens, gars, pas. Nous trouvons fiançailles, c'est que nous trouvons à mes tabiots bien tordis. Et là, nous. Ficola, souvent, comme je sais, genre, aller au niveau des chefs traditionnels. Il y a des familles, nous, tortes, nous, gammes, cours, va bien, ou à bien, ou à on va dire, il y a sort de vieux, sort pochi. On va dire, il y a sort de vieux, sort pochi. Avoye à quel drum sang, ni mouté pleuwa. Mangoule de me, non sauvana, ma houe. Et il y a m'le dit, bé, ma chon, nous y a 5 et n'y a pas, alors m'platé la dovo. M'dit, bé, ma ple, et nous a plainte de machine, 300 000 ou les sèvres. Kora va biota si yo vignetta, mangolo nous y a démé. Ni ma va hoa, nous tote et nous. On m'le sa de vie à wo. On m'le sa wo. Pour encourager beaucoup plus les célibataires au sous bon tot trop.
Et au-delà aussi, j'en revenais, comme vous le disiez, à l'aspect vraiment sacré de la chose, pour qu'on comprenne ce dans quoi on s'engage. Cela va faire perdurer beaucoup plus les relations, je crois. Merci beaucoup d'avoir été là. Vous voyez, ça finit rapidement. Le temps passe très vite. Madame Agué, Michel, secrétaire général du GF2D, avec sa campagne de la féminité transformative. Vous retrouverez ça sur les réseaux sociaux. C'est plein d'aspects. Madame Bernadette Mensan, mariée, mère de famille, de trois enfants. Vous êtes sur TikTok, vous faites souvent des lives. C'est sur quel nom vous êtes sur TikTok? Arufa 80. Arufa 80 sur TikTok. Elle fait plein de lives de sensibilisation sur cette thématique-là. Monsieur Kossi Mawena Aivi, rapporteur du conseil de la chefferie traditionnelle du Togo, de la préfecture de la V. Nous remercions le chef canton de Badia pour l'accompagnement qui nous a été porté dans la préparation de cette émission. Et puis, nous remercions M. Kossi Emmanuel Asia Bidji. Il ne faut pas que Asia se fâche comme ça. sociologue doctorant à l'Université de Lomé. Merci pour vos éclairages. Merci d'avoir suivi cette émission. On vous la rediffuse mardi prochain aux alentours de 8h-39h. Restez sur la TVT pour la suite de ces programmes. Au revoir et à très bientôt.